Lundi de 22h à 4h à Lem, les frères et sœurs de l'église de Yopougon se réunissent autour de leur dirigeant, le pasteur Innocent Lombé, pour porter les fardeaux de l'œuvre tant à Yopougon que dans toute la nation ivoirienne, à s'éveiller les sujets de prière pour les premiers responsables de la CMCI Côte d'Ivoire, les pasteurs Boniface et Colette Meunier sont à l'ordre du jour. Mais cette nuit de conquête, de bénédiction et de miracle, telle que renommée par le pasteur Innocent Lombé, avait un deuxième objectif, ce lundi 19 février, celui de rencontrer tous les dirigeants numéro 1 pour leur rappeler leur tâche assignée. S'appuyant sur Proverbe 27, le verset 23 à 24, le premier responsable de la zone a exposé le rôle du dirigeant numéro 1. Selon lui, ce dernier a pour première fonction de garder les brebis établies sous son leadership. Quand tu ne vois pas une brebis, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi-même? Si tu es un dirigeant qui te sent à l'aise quand tu arrives à l'assemblée et qu'une seule de tes brebis est absente, tu es mercenaire. Il faut seulement que tu démissionnes. Parce que le Seigneur te demandera des comptes. Tu n'es pas obligé d'être un dirigeant. Mais quand tu acceptes la main tendue du Seigneur de gloire pour perdre son troupeau, frère, tu as accepté un travail noble, mais une lourde responsabilité. Parce que c'est le Dieu vivant et vrai qui te tend sa main. Il dit, je veux faire de toi mon co-ouvrier. Je vais agir à travers toi de façon physique. Pour que les brebis que mon fils bien-aimé s'est acquise au prix de son sang, que ces brebis-là soient conservées. Quand tu as dit oui, frère, tu n'as pas le droit de dormir quand une seule brebis est absente. Loin d'être un poste honorifique, le poste de dirigeant est un appel à la souffrance pour Christ. Une souffrance qui s'inscrit à l'école du service dans le fait de prendre soin du troupeau, comme un père prend soin de ses enfants et s'attelle à veiller coûte que coûte à leur bonne santé. Pour l'aider à réussir cette responsabilité, celui-ci doit davantage s'investir à connaître Dieu en ayant une communion étroite avec le Seigneur et participer aux rencontres de l'Église. La deuxième fonction du dirigeant est de gagner les âmes perdues et d'implanter les assemblées, révèle le pasteur Lombé. Il renchérit en demandant aux dirigeants d'enrôler les brebis grasses et bien portantes dans cette grande commission, car il est impossible de faire la conquête avec des brebis malades, a-t-il précisé. C'est une exhortation qui est tombée dans des terres fertiles, conduisant les dirigeants présents à se repentir et à s'engager à être à leur poste. Pour la troisième campagne d'évangélisation de masse de la zone spirituelle de Yopougon qui se tiendra du 2 au 3 mars, à l'issue de laquelle sera organisé le festival de baptême le dimanche 3 mars, chaque dirigeant à tour de rôle a pris la ferme résolution de conduire un nombre de personnes aux eaux de baptême selon sa capacité, à la dite zone qui compte offrir au Seigneur 500 baptêmes et ce, avec le cachet du peuple de Dieu dans la prière. Nous avons été vraiment éclairés sur le rôle premier du dirigeant qui est de garder les brebis, de veiller à ce que les brebis soient physiquement présentes dans nos assemblées, de veiller à ce qu'aucune brebis que le Seigneur nous a confiée ne se perde. Ça, c'est le rôle premier du dirigeant. Et nous avons vraiment été édifiés. Je crois que nous irons pour nous atteler à cela, travailler pour cela, pour que nos assemblées, nos brebis qui sont éloignées de l'assemblée, nous puissions les reconquérir pour venir dans les assemblées. Et c'est vraiment très important pour nous, pour que le Seigneur ne puisse pas nous rejeter, nous dire que nous avons été des mercenaires au lieu d'être des bergers. Vraiment, nous sommes vraiment dans la joie d'écouter ces choses. Nous voulons que ces choses-là se répètent à chaque fois pour que nous puissions vraiment mener la conquête.
Merci beaucoup. Selon l'enseignement que nous avons reçu, le deuxième aspect, le rôle du dirigeant. Le dirigeant doit travailler pour multiplier son troupeau. Il doit travailler pour faire marcher la conquête. Et en tout cas, pour ma part, j'ai été bénie et j'ai décidé d'aller travailler avec mon équipe, travailler avec mes brebis, mes couvriers, pour mettre cela en application. Déjà, j'ai compris que non seulement je dois prier pour les frères et les encourager, moi-même être devant, les encourager pour la conquête. Et c'est des choses que j'ai décidé vraiment de veiller là-dessus, d'appliquer cela. J'ai pris l'engagement de donner 4 âmes au Seigneur d'ici le 3. Et je compte vraiment sur la grâce du Seigneur. Je crois que nous pourrons donner effectivement les 4 âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce que j'ai retenu, c'est que, étant berger, je dois prendre soin de mes troupeaux. Et comme je suis ministre aux enfants, je dois prendre soin des enfants. Je dois les visiter. Je dois savoir si les enfants se portent bien, physiquement comme spirituellement. Et après cela, nous allons aller à la conquête avec les enfants. Il faut dire que nous devons aussi entraîner les enfants à l'évangélisation. Il faut leur montrer comment gagner des âmes sur le terrain pour qu'eux aussi demain, ils soient l'église de demain. Cette rencontre qui a réuni 219 principaux dirigeants peut être considérée comme les fruits palpables du siège de prière de 7 jours en faveur des dirigeants de la CMCI, tenu à Tiekwa du 12 au 18 février sous la coordination du pasteur Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire. Ce fut un siège de 168 heures qui s'inscrivait dans le cadre de la croisade de jeûne et de prière pour les dirigeants spirituels de l'œuvre à travers le monde, démarrée depuis le 12 février et qui s'achèvera le 22 mars 2024. Cette nuit de prière du pasteur Innocent Lombé avec les dirigeants principaux d'assemblée venait donc à point nommé pour impulser les effets de toutes les prières élevées en faveur des dirigeants. En cette période, à Dieu toute la gloire.